Bonjour à toutes les lombris mamans et tous les lombris papas. Bienvenue sur la chaîne de lombricompostage facile. J'espère que vous allez tous bien. Je suis à présent en direct depuis mon jardin où il fait environ moins 56 000 degrés Celsius. Bref, on se gèle les pieds et les mains. Et je voudrais savoir dans la petite vidéo d'aujourd'hui si là-dedans il y a encore des survivants. Est-ce qu'un ver peut survivre à une température ça se trouve tout seul parce qu'il y a aussi du vent. Est-ce qu'un ver peut survivre à une température de moins 8 degrés Celsius? C'est la question du jour, sachant que c'est la température qu'il a fait cette nuit. Je vais regarder rapidement avec vous à l'intérieur de ce superbe lombricomposteur pour voir si des fois il y aurait encore du monde qui vit là-dedans. On va le faire ensemble. Là par exemple, juste là où il y a mon doigt, il y a un ver. Voilà des vers qui fonctionnent, certes au ralenti, mais qui fonctionnent. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce lombricomposteur de jardin, je vais le sortir de son emplacement, je vais le vider ici. Je vais le retourner et comme ça, ça permettra de mieux voir quels sont les vers qui ont survécu et comprendre un peu ce qui s'est passé à l'intérieur pendant la période de froid. La partie haute était complètement congelée, totalement sèche d'ailleurs au passage. Complètement congelée et je commençais à voir des vers en partie basse. Là, je vais le retourner et on va voir ce que ça donne. Hop! Et qu'est-ce qu'on voit? Miracle des miracles, il n'y a pas besoin de creuser ni d'aller chercher très loin. Les vers, ils sont tous là. Vous voyez, je vais zoomer autant que je peux. Les vers, ils sont tous là. Si je regarde au cœur ici, vous voyez, il y a des vers. Je ne pense pas que le cœur du compost s'est jamais gelé. Parce qu'on était d'abord en partie basse et un petit peu enterré. Il fait quand même drôlement froid dans le sous-sol qu'au ras du sol. Et puis en plus, on était au cœur du compost. Hein. Vous voyez, là, il y a quand même 40 cm de diamètre, si bien qu'au cœur du compost, vraiment, on est isolé par 20 cm de compost d'un côté, 20 cm de compost de l'autre. Et ça permet aux vers de terre de s'en sortir, tout simplement. Ils ont tous survécu. Hein. Je pense pas que j'en ai eu un de mort à cause du froid, alors qu'il faisait moins 8 dehors et que c'était vraiment glacial. Et que le gel a duré pendant longtemps. Tout ça a parfaitement survécu. Tout se passe bien malgré le froid. C'est stupéfiant. Moi, je trouve quand même que on a des vers de terre qui sont costauds. Hein. Ça résiste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager avec vos amis. D'autres vidéos sur le sujet en cliquant ici. Pour ne louper aucun épisode de la chaîne du lombricompostage facile, il faut s'abonner. C'est gratuit, vous cliquez ici. Vos commentaires, comme d'habitude, c'est en bas. N'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques, questions, suggestions, coups de gueule. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt, salut !